Ok, troisième fois qu'on interrompt, ça va peut-être être la bonne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner 10 choses à faire quand on s'ennuie. On va commencer sans plus tarder avec la première chose à faire. Ce que vous pouvez faire de une, je pense que vous êtes en train de le faire à ce moment même, mais c'est regarder des vidéos sur YouTube. Regarder des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose que je fais souvent, tout le temps même. Parce que bah ça passe bien le temps et genre on n'a pas l'impression que ça avance si on trouve une vidéo bien à regarder. Ensuite, deuxième chose que j'aime bien faire, c'est chercher des citations ou alors chercher la signification de certaines citations que j'ai déjà entendues, etc. J'aime beaucoup beaucoup les citations en général, donc chercher leur signification ou en chercher d'autres. Je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, troisième chose à faire, c'est s'avancer dans ses devoirs. Je pense qu'on n'y pense pas souvent, ou alors on a juste la flemme de faire nos devoirs, parce que nos devoirs c'est genre un truc hyper chiant à faire, et je suis d'accord avec vous. C'est juste que bah, quand on n'a rien à faire, je pense que s'avancer dans ses devoirs, ça peut pas être si mal que ça. Ensuite, quatrième chose à faire, je le fais jamais, mais c'est cuisiner. Donc après, si vous êtes plus jeune, faites-le pas, parce que c'est un peu dangereux. Mais si vous êtes assez grand, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez cuisiner un repas, vous faites des crêpes, vous faites des choses comme ça. Et c'est super sympa à faire et vous passez un bon moment, vous pouvez le faire avec vos frères et sœurs, votre maman, votre papa, je sais pas qui c'est qui cuisine chez vous. Ensuite, vous pouvez aussi faire des dessins si vous êtes doué, parce que moi mes dessins ne ressemblent à rien, je sais même pas dessiner une maison, même mes maisons ne ressemblent à rien. Donc voilà, si vous êtes doué en dessin, vous pouvez dessiner, c'est pas mon cas, mais peut-être que vous, oui, ou vous pouvez essayer, ça se trouve vous allez vous trouver un don. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sortir, aller vous balader. Moi, je sais, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans le quartier en overboard avec mon chien, avec de la musique. Déjà, ça permet de se changer les idées. Et ensuite, bah, vous passez un bon moment en dehors de chez vous, vous prenez l'air. Ensuite, vous pouvez faire du sport, plein d'exercices de gainage pour se renforcer les bras, les jambes, tout ce que vous voulez. Ça existe vachement aujourd'hui sur... de partout en fait, même des vidéos sur YouTube, vous pouvez vachement faire du sport facilement. Et voilà, faire du sport et des étirements, c'est une bonne chose à faire, puis ça fait bien passer le temps et vous y perdez rien. Ensuite, moi je fais ça surtout dans les avions ou dans les voitures ou quand je m'ennuie vraiment, genre dans des longs trajets. Ce que je fais, c'est que je trie mes photos dans ma galerie. Donc ce que j'aime bien faire, c'est les trier ou raccourcir mes vidéos, faire voilà, des trucs comme ça. Dans les longs trajets, c'est toujours utile et comme ça, bah, genre quand on part en voyage, bah on a toutes nos galeries vides, donc c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, vous pouvez aussi inviter des amis si vous êtes genre une journée où vous avez rien à faire, si vous êtes dimanche et que vous savez que vous avez vos amis dans le coin, invitez-les, allez, je sais pas, faites du sport ensemble ou allez vous balader ensemble ou juste bah, passer du temps ensemble, c'est une bonne chose à faire. Et ensuite, la toute dernière chose que je peux vous proposer, c'est de faire des vidéos sur YouTube ou des vidéos pour vous amuser tout simplement ou faire de la photo, des choses comme ça. Moi je sais que mes vidéos maintenant c'est devenu plus qu'un passe-temps, c'est vraiment devenu une passion. Donc voilà, si vous voulez savoir, je pense que faire des vidéos, je trouve que c'est super sympa. Au pire vous les gardez pour vous, mais bah, moi ça m'amuse de parler à ma caméra. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura donné des idées de choses à faire. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Snapchat et Twitter. Tous mes liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.